Je ne comprends parfois pas du tout comment ces livres sont écrits, quoi. Pourquoi l'auteur a-t-il décidé d'écrire toutes les lettres à l'envers? C'est pas pratique du tout de recevoir l'information comme ça. Bon, d'accord, je le lirai plus tard. Oh, Alina, salut! Non, mais Bruno, toi, pourquoi t'as commandé autant de boules de banc? Ça a dû coûter tellement cher! Alina, mais j'ai commandé aucune boule de bain! Il y en a une valise entière! Mais pourquoi le coursier nous les a-t-il apportés? Ne prends plus rien de ce coursier, d'accord? Parce qu'il nous apporte toujours des drôles de choses qui ne tournent pas rond pour nous! Alors ne prends rien de lui! Il y a même une boule de bain à Guiwagi! On n'en a jamais fait! Attends! Mais c'est les trois chats, ça! C'est le nombre d'épisodes que nous aurons! Écoute, et si on les jetait tous en même temps dans la baignoire et qu'on voyait ce que ça donne? Là, il est presque 3 heures du matin! Tu veux jeter toutes les boules de bain dans la baignoire maintenant? À 3 heures du matin? Non, 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 tout le monde va venir et on va devoir se battre contre les monstres! Tu crois qu'on va y arriver? Eh bien, écoute, d'abord, j'ai remarqué que ce set de boules de bain, c'est un set de collection. C'est une édition spéciale, parce que j'ai remarqué que tous les méchants sont ici. Et ici, il y a même Spider-Man. Bon, écoute, Bruno, je sais que si t'as une idée en tête, ça ne sert à rien de changer d'avis. Je vais être obligé d'être d'accord tout en continuant à t'aider à te sauver. Mais non, on va le jeter dans la baignoire de toute façon. Je veux dire, Spider-Man va nous aider à combattre ces méchants, s'il se passe quelque chose. Si c'est l'excès, Spider-Man. Venom? Ouais. Et puis, Alina, ça va être une si bonne vidéo qu'on pourra dépasser tous les autres vidéoblogueurs en abonnés. Tu vois? Je vais prendre un bain, moi. Les gars, si vous aimez cette idée, écrivez dans les commentaires, oui! Utilisez toutes les boules de bain! Et si vous n'aimez pas, comme moi, écrivez... Oh non, il faut pas faire ça. Oh! Aline, l'eau est déjà bonne! Viens, entre! Écoute, on m'a dit que cette fois-ci, tu n'as même pas besoin d'entrer dans l'eau, tu peux juste utiliser des bombes de bain. Écoute, si tu ne veux pas entrer dans la baignoire, tu n'as qu'à le dire, alors j'entre, moi. Mais pour que ça marche, tu dois entrer dans la baignoire tout habillé, et seulement ensuite lancer la boule. Le vendeur m'a dit que ce n'était pas du tout nécessaire. Je vois, tu voulais juste prendre un bain, toi. Alors dis-le, espèce de peste. De plus, le vendeur t'a dit que c'était moi qui avais commandé ces boules de bain. Et ce n'est pas le cas. Alors tu ne devrais pas faire confiance à ce vendeur. T'as dû oublier, comme d'habitude. Alors, Alina, on plonge complètement dans cette eau chaude. Wow, c'est pour la première fois que cette baignoire est vraiment chaude. Elle était toujours froide avant. Quelle boule doit-on jeter en premier? Comment ça, laquelle? On a beaucoup de boules. Alors on jette tout le tas. C'est sûr qu'il faut tout jeter en même temps. Peut-être une à la fois, une à la fois. Je n'ai jamais été aussi sûr, Alina. Ah! Hey, Spider-Man! Saute ici aussi! Regarde, Alina, il n'y a rien, absolument rien. Et heureusement qu'il ne se passe rien. Allez, on sort, on va se coucher. Oh, Alina, Alina, quelque chose a commencé. Alina, l'homme araignée a commencé à se dissoudre et à faire du bruit. Oh, on dirait que ça va être l'aventure. Alina, mais cette fois-ci, ça va se passer d'une façon particulière. L'eau est très chaude. Oh là 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 là. Et pourquoi toute l'eau est si rouge? Oh là 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 là. Eh bien, regarde, toute l'eau a pris la couleur de Spider-Man. Tu crois qu'il n'y a que Spider-Man qui va venir? En fait, j'aimerais bien que tout le monde vienne, puisqu'on a lancé les boules de tous les monstres. Mais s'il n'y a que Spider-Man, prends-moi une photo avec lui. Ok, si tu penses que Spider-Man est ici, où est-il? Il devrait être là, comme d'habitude. Il est peut-être dans la grande salle. Allons voir. Je suis pas sûr que seul Spider-Man soit venu. Hey, Spider-Man! Tu es où? Il n'est pas là. Oh là là, bon sang, vaut mieux ne pas le voir, c'est grave. Spider-Man! Hey, Spider-Man! Regarde, Alina, je crois qu'ils t'ont donné des fausses boules de bain, après tout. Elle a bien marché. Qu'est-ce que tu commences encore? Elle marchait très bien, elle faisait des bulles. N'importe quelle boule de bain fait des bulles. Regardons mieux. Il n'y a personne, Alina. Allons juste vider cette baignoire et...
et faisons une belle vidéo. Eh bien, vide-la. Je vais vider cette baignoire. Alina, regarde comme cette ombre est effrayante. Il y a encore quelque chose d'énorme dans la main. Il me regarde droit dans les yeux. Alina, regarde, c'est son couteau. Ouh, Bruno, je vais te manger. C'est de lui que t'as eu peur. T'es drôle, Bruno. Je croyais que les poules commençaient vraiment à marcher. Bon, Alina, finissons avec ça. T'es vraiment un lâche, Bruno. Qu'est-ce qui ne va pas, Alina? Va-t'en! Va-t'en! Allez, Alina, cours! Allez! Alina! Minute, je me charge et on continue! Tu vas où? Ici, il sort maintenant! Ok, j'attends! Mais il est où, Bruno? Alina, ça y est, j'ai fini! Allez, on y va! Attends, si Boris est là et qu'on a utilisé sa boule, alors toutes les autres qu'on a utilisées sont là aussi! J'espère que Spider-Man est déjà là dans notre studio! Oh là! Ce n'est pas Spider-Man! C'est Huggy Wuggy! Il a l'air plus en colère que d'habitude aujourd'hui! Il nous a repéré! Il nous a repéré! Alina, qu'est-ce que tu fais? Tiens, Alina, viens! Attends, c'est Huggy Wuggy là! Il y a peut-être quelqu'un d'autre quelque part! Il faut faire attention! Peut-être valait-il mieux ne pas vider le bain jusqu'au bout. On aurait dû la vider d'un coup. Quand on a vu la possibilité. Les trois chats. Oh, Alina, ces trois chats nous ont préparé un piège avec des billes. Écoute, pourquoi ne partir dans l'autre sens? Allez, on y va, je pense. Oui. C'est la lune. Les enfants mal élevés, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez aller dormir. Vous ne pouvez courir nulle part. Je vous ai piégé. Oh non, il y a la lune et la lumière éteinte. On est dans le piège de ces trois chats. Qu'est-ce qu'on va faire, Bruno? Nous sommes pris au piège, Alina. Nous avons besoin de notre éclairage d'urgence. Je me disais la même chose. Les gars, on a un éclairage d'urgence avec une couleur rouge qui fonctionne sans électricité. Vous savez sur quoi elle fonctionne? Je sais, c'est sur les boutons d'abonnement. Le rétroéclairage rouge fonctionne avec les boutons d'abonnement rouge. Donc vous faites en sorte que le bouton rouge devienne gris et l'énergie du bouton rouge passera immédiatement dans notre rétroéclairage rouge. Si vous avez la moindre idée de ce qui se passe en ce moment, abonnez-vous tout de suite à notre chaîne et nous aurons directement une lumière d'urgence. Allez! Wow, quelqu'un s'est déjà abonné! Vous êtes magnifiques, les gars! Les lumières se sont allumées. Ah, Lune! On va pouvoir s'éloigner de toi facilement maintenant. Tiens, Alina, regarde! Maintenant, tu peux voir les billes, on ne va pas glisser dessus. Marche doucement! Attention, il y a une autre bille. Si tu marches dessus, on va faire un salto. Oh, on y va. Où allez-vous? Vous ne pouvez pas m'échapper de toute façon. Les billes. Ces trois chats ont tout gâché. Ce n'est pas grave. Je vais les attraper. Allez. Bruno, tu t'oublies encore? On fait une barricade! Allez, il en faut plus! Ça y est, c'est fait! Personne ne peut entrer ici maintenant! Il faut attendre le matin, parce qu'à l'aube, tous les monstres disparaissent! Écoute, est-ce que t'as une idée de comment on peut... Écoute, j'ai une idée! J'ai encore le numéro du vendeur de toutes sortes de trucs pour se débarrasser des monstres, ou des apparitions des monstres. J'ai son numéro, parce qu'il m'a laissé une carte de visite! Je l'appelle tout de suite. Vous m'avez appelé? Qu'est-ce que vous vouliez? Oui, j'ai appelé. Oui, maintenant.
Comment avez-vous fait pour arriver si vite? Je viens de vous appeler et vous êtes déjà là. Et qu'est-ce qui ne va pas avec votre visage? Ah, apparemment, vous m'avez confondu avec mon frère. Il est en vacances dans les îles en ce moment. C'est... peu importe, oui. C'est une catastrophe. Il y a un tas de monstres. On en a déjà vu deux, c'est sûr. Même trois. Bref, le problème, c'est qu'Alina et moi, on a jeté dans la baignoire toutes les boules de bain qu'Alina avait apportées au studio. Et c'était son idée. Non, c'est Bruno qui les a commandées, c'est pas moi. Vendeur, je vous jure. Bruno, c'est toi qui as commandé beaucoup de boules. Je sais comment t'aider avec ça. Mais ce n'est pas moi qui les ai commandées, il ment. Il envoie juste une commande et te demande de payer. T'as dû tout oublier. On s'en fout maintenant, c'est fait. D'accord. Comment se débarrasser de tous les monstres qui sont venus dans notre studio, vendeur? Vous devez vider la baignoire qui est avec ses boules. C'est tout? Alors on fait comme on ça? On fait toujours ça? Alors faisons-le! C'est très simple! Ce n'est pas si simple d'arriver à la salle de bain parce qu'il y aura beaucoup de monstres. Ce sera la mission la plus difficile de votre vie. Mais il pleut! On peut le faire, Alina! Ce n'est pas si difficile! On se débrouille tout le temps, Bruno! Tu comprends? Où est le vendeur? Oh, vraiment? Tu sais ce qui m'énerve le plus? Il n'a eu aucun mal à franchir notre barricade! C'est pourquoi il est dangereux pour nous de rester ici! Armons-nous et allons dans cette baignoire! D'accord, je prends le filet et toi la corde! Je vais t'expliquer plus tard. Oh! Tu vois ça? Bien sûr que oui! Je suis là moi aussi! Qu'est-ce que Cartoon Cat fait avec la grand-mère Granny? Mamie Granny, recule, je te déteste, tu sens mauvais. Miaou, tu ne pourras pas m'attraper, mamie. Mon chaton, où vas-tu donc? Écoutons qu'elle a couru après le chat, on a le temps de traverser cette grande pièce. Tout de suite. Allez, allez, on y va, Aline, allez, allez. Allez. En fait, j'ai vu ça et je me suis souvenu de notre bicycle, les gars. Est-ce que vous avez un animal domestique? Est-ce que vous aviez un animal domestique? Si vous en avez un, écrivez dans les commentaires quel est le nom de votre animal. Vous vous souvenez de notre bicycle? C'est toi qui avais bicycle, moi j'avais Mourzik. Allez, on y va, on y va! Oh, les gars, comme je suis content de me rencontrer. Parce que je voulais vous montrer mon nouveau super pouvoir. Ouais. Sonic! Bonjour Sonic, comment ça va? T'as l'air un peu énervé en comptant super pouvoir. Eh bien, préparez-vous. Je crois qu'on a des problèmes. Avec quoi on va se défendre? Écoute, voilà un plan. Donne-le-moi! Il devient de plus en plus petit! Hey Sunny! J'ai attrapé ta tornade dans mon filet! Qu'est-ce que tu en penses? Il est vraiment contrarié par quelque chose! Il y a donc une chance de le dépasser là! Non! C'était mon super pouvoir préféré! Écoute, elle est vraiment triste, vraiment. Écoute, pendant qu'il s'énerve, on va passer là, on doit aller quoi. On y va, Aline, allez, allez, allez. Le voilà tout triste. C'est un vrai Spider-Man. Et marchand de glace. Et le marchand de glace aussi. Je crois qu'ils sont en train de se disputer. Spider-Man, je te déteste. Tu m'as payé face la dernière fois avec Bruno. Je ne l'ai aidé à faire aucune farce. Je suis un héros, moi. T'es qu'un sale menteur. Spider-Man est si doué pour esquiver. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je l'ai mis. Il ne pourra pas t'échapper, Spider-Man. Je vais aller manger ma délicieuse glace à la vanille. Je crois que Spider-Man a été gelé. Aidons-le. Il est gelé.
Spider-Man, comment pouvons-nous t'aider? Il y a un antidote, là où le marchand de glace est parti. Ok, on va t'aider maintenant, Spider-Man. Oh, clin d'œil, on y va vite fait. Alors, quel est notre plan? Un super plan, Alina. On va se faufiler dans cette pièce et prendre la potion. Elle est stupide. Aïe. Oh, Jeff, gardez. Oh, on dirait que cette boîte a toujours été là. J'ai la potion, Bruno. Pourquoi tu es sorti de la boîte? La boîte est vivante, il faut la neutraliser. Alina, le plan B alors? Lequel? Jette la corde dans la caméra. Jeff a tâché. Jeff a mal. Alina, fuyons. C'est pas pour longtemps. Allez, vers Spider-Man. C'est urgent, il faut donner une potion à Spider-Man. Spider-Man, avale-la. Allez, on lui donne une goutte, comme ça. Allez, encore un peu. Spider-Man, Jeff veut nous attraper. Spider-Man à l'aide! Je ne suis pas un Spider-Man gentil. Je suis Spider-Man exé. Je crois qu'on a vraiment des problèmes maintenant. On s'est fait avoir! Allez, cours! Bruno, il faut faire quelque chose! Loser! Allez! Alina, écoute, je pense que ça ne marche jamais, quoi. Mais faisons-le au cas où. Allez, viens là. Versons ces tours maintenant. Et comme ça, ce sera fini. On gagnera ces monstres. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est ça, allez. Bon, on dirait que ça a marché. Regarde, toute l'eau s'en va à l'égout. Là où elle doit aller. Eh bien, on dirait que c'est tout. Allons voir notre studio propre et sans monstres. Je suis tellement contente qu'on ait enfin fini avec ces monstres. Je les ai déjà là. Oh, quelle aventure! Écoute, Alina, je n'ai jamais eu autant de monstres en même temps. En même temps? Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce qu'ils font? N'importe quoi! Oh, ils sont vraiment tous là? Non, mais j'ai compris, on va pas savoir rien. Alina, regarde combien ils sont ici! Je les vois! Ils sont tous venus pour nous! Allez là, on est pris au piège! Je comprends! Bruno! Il n'y a personne ici! Comment ça, il n'y a personne? Il y a plein de monstres! Il n'y a personne ici, vraiment! Laisse-moi, tu vas m'étouffer! Et où est tout le monde? Je sais pas, Bruno, eh bien, je crois que tout s'est bien passé! Ça a marché? Je sais pas quoi, mais quelque chose a marché, c'est sûr! Ah, je crois que je sais ce qui a marché! C'est bon, je crois que ça a marché! Eh les gars, vous êtes vivants? Vendeur! C'est toi qui as tout fait! Merci! Ouais, j'ai trouvé ce remède contre les monstres. D'ailleurs, c'est cher, hein? Ça va vous coûter, les gars. Et Bruno, en fait, j'ai un ticket pour toi. Un ticket pour payer cette potion? Regarde la somme, Alina! Apparemment, chaque giclée est payée séparément. Il y en a beaucoup. Bruno, tu n'as pas de chance. L'argent? Ce n'est pas grave. Bon, on se débrouillera. On fera peut-être un emprunt. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Il y avait tellement de monstres ici. Vous auriez pu nous sauver bien plus tôt. Un peu plus et nous aurions été tués, c'est sûr. Ce remède est utilisé dans des situations extrêmement dangereuses.
Les gars, pensez-y. Dans la dernière vidéo, la poupée Wudu d'Alina a commencé à vivre sa propre vie parce que son ADN a commencé à muter. Et cette poupée a commencé à contrôler Alina elle-même et nous avons dû la disséquer pour comprendre ce qui n'allait pas. Au cours de ça, nous avons récupéré un tas de choses bizarres dans la poupée Wudu, mais à la fin, nous avons réussi à obtenir l'ADN mutant d'Alina. Et après cela, la poupée Wudu a arrêté de contrôler Alina. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que ma poupée Wudu a commencé à muter aussi. Et c'est là que commence la nouvelle vidéo. Alina! Alina! Regarde, voilà ma poupée Wudu commence à me contrôler. Oh là là! Et maintenant il va m'arriver la même chose. Hey, je te vois toi, hey! Hey, oui, y'a Bruno! Dans 3 heures, je vais commencer à te contrôler complètement! Hey, arrête! Écoute, Alina, il faut qu'on l'attrape! Mais attends une minute, il nous faut un plan concret! Heureusement qu'on a au moins extrait l'ADN de ta poupée Wudu! On peut l'utiliser en fait! Parce que la poupée Wudu de moi, la poupée Wudu de William Bruno, ne sait pas encore que les autres poupées Wudu sont désactivées! Ok, elle ne marche pas, ça va, qu'est-ce que tu regardes à ma réaction? Bah parce que je veux être sûr que ça ne marche pas! Arrête! Et si ça marche? Ça ne marche pas! Bon, il faut encore une poupée Wudu, la poupée Wudu de Dima! Les gars, je vais attendre ici avec vous! Ma poupée Wudu ne fonctionne vraiment pas! Et celle de Dima, elle ne fonctionne non plus! Alina, la mission d'aujourd'hui est d'attraper ma poupée et Wudu! Et voir ce qu'il y a dans ta poupée Wudu! Ah, c'est intéressant, n'est-ce pas? Le plus important, Alina, c'est d'attraper ma poupée Wudu avant qu'elle ne me possède complètement et d'en extraire mon ADN, en fait! Écoute, pendant que nous avons deux poupées, j'ai un plan pour attraper ta poupée Wudu! Eh, hey, c'est mon plan! Bref, les gars, regardez, et Alina, tu écoutes bien aussi! Non, mais c'est notre plan! Ok, c'est notre plan, bref, parlons-en déjà, parce qu'il faut qu'on fasse un bilan, ouais! On va faire semblant devant la poupée Wudu de William Bruno que ces poupées sont aussi vivantes et qu'elles parlent, en fait! Nous allons donc les souder, leur mettre des petits haut-parleurs pour qu'elles puissent parler, ouais, et prends le fer à souder, ok? Alina, écoute, j'ai apporté les choses les plus importantes ici, et merci pour les outils, mais le plus important, c'est ça, les gars! C'est un vieux magnétophone radio, et il a ce qu'il nous faut, des haut-parleurs, d'accord? J'ai besoin d'une charte d'instruments, attends, ouais, voilà! C'est ce qu'il y a à l'intérieur des haut-parleurs et qui peut être utilisé pour transmettre les ondes sonores. Il faut les mettre donc dans les poupées Wudu, d'accord? Allons-y ici. Dans la poupée Wudu de Dima. Voilà, maintenant ces poupées peuvent parler, ouais. Avec ce microphone Bluetooth juste ici, ouais. Et je vais maintenant me connecter à ces haut-parleurs. Ah bon, je crois que ça marche. Regarde comment ça marche maintenant. Je suis Julima. Oh, écoute, il y a une surcharge là-dedans. Je vais le corriger un peu, attends. Hey, bonjour à tous, je m'appelle Julima. Ah, c'est parfait maintenant. Et Alina, parle pour Alina. Et toi-même, parle pour Alina. Et bonjour, bonjour, je suis Alina. Ah ouais, tout va bien maintenant, ok les gars. C'est pour que la poupée Wudu de William Bruno nous croit. Nous allons maintenant placer ces poupées dans le couloir. Ouais, écoute Alina, et discuter de nos plans diaboliques. Cela attirera à 100% la poupée Wudu de William Bruno. On va la voir maintenant. Et vous savez comment on va l'attraper? Tu vas le savoir là. Bon, ça y est, on a installé nos poupées Wudu. Et maintenant, on va faire comme si elles parlaient. Ouais, voilà, on est là, juste derrière le mur. Et on va le faire maintenant. Je vais parler pour Dima. Et je parlerai pour Alina. Et après avoir impliqué la poupée Wudu de Bruno, Alina l'attrapera dans son filet. Et après qu'elle l'aura attrapé dans le filet, je l'attraperai dans le sac pour être sûr. C'est comme ça. Écoute, essayons vraiment de dire des mots super méchants dans ce micro. D'accord, je passe en dessous maintenant. Et commençons notre plan. Oh, poupée Wudu d'Alina, écoute, prenons le contrôle du monde entier, en fait, ouais. J'ai un plan tellement crapuleux, tu vas flipper. Oui, dis-moi, je suis la poule méchante des méchantes. Et nous allons conquérir le monde, sauf qu'il nous manque un troisième élément. Oui, 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 si seulement il y avait une autre poupée Wudu, alors nous pourrions définir.
définitivement nous attaquer à notre méchante méchanceté. Ouais. Nous sommes des méchants, j'aimerais qu'il y ait un autre méchant. Bon, 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 qui est-ce qui fait des bêtises et des méchancetés et sans moi? Oh, hey, salut toi. Hey, les poupées, je peux vous aider dans votre méchanceté en fait. Je suis sur le point de prendre possession du corps de William Bruno. Écoute, t'es exactement ce qui manquait. Tu es en fait le plus fort, toi. Oh, rejoins notre équipe, Bruno. Ouais. Rejoins-nous, vraiment. Il n'y a aucune chance que nous puissions le faire sans toi. Wow, c'est cool ça, mec. Alors, quel est le plan en fait? Le plan? T'attraper, ouais, aïe! Allez, Alina, t'attrape-le, ouais! Oh là là, rattrape! Alina, tu vas attraper! Oh, attrape-le! Oui, presque, aïe! Regarde, je vais passer de l'autre côté! Ouais, je t'ai eu! Je t'ai eu! Alina, il est piégé! Hé, William Bruno, tu as oublié que je peux te contrôler ou quoi? Hé, tu vas être gêné maintenant! Allez, répète après moi! Qu'est-ce qui se passe? Poupée, arrête de danser avec moi! Bruno, arrête! Tu bouges drôlement! Arrête de danser avec moi, bordel! Alina, qu'est-ce qui te fait rire, toi? Attrape cette putain de poupée pendant qu'elle danse avec moi! C'est ça! Hé, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Je t'ai eu! Bruno, dépêche-toi! Elle s'éloigne! Donne-moi le sac! Allez! Mets-le dans le sac! Alina, je vais l'assommer. Il n'a pas l'air de bouger. Bruno, qu'est-ce que tu... Bruno, oh non, j'ai complètement oublié que la poupée vaudou interagissait avec William Bruno et elle le contrôlait. William Bruno n'a absolument aucun HP en ce moment et t'es le seul à pouvoir le sauver. Bruno! Et moi, je sais vraiment comment le faire. Les spectateurs qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne et qui ont un bouton d'abonnement rouge peuvent le rendre gris et restaurer les HP de Bruno dès maintenant! S'il vous plaît, les gars, cliquez sur le bouton rouge et restaurez les HP de Bruno et il reviendra à la vie! Oh mon dieu, il est tellement abîmé! S'il vous plaît, les gars, si vous avez un bouton rouge, faites-le gris et maintenant! Oh là là, Alina, tu m'as assommé, mon dieu! Donne-moi ma poupée vaudou, vite! Écoute, bien sûr qu'il est assommé maintenant, mais il faut être bien prudent avec lui. Emmenons-le sur la table d'opération. Extraire ton ADN! Ouais! Ok, ça y est, Alina, regarde, cette poupée vaudou n'ira nulle part maintenant. Comme la tienne, quand la scotchée, en fait, tu te rappelles? Elle est bien fixée. J'ai une mauvaise nouvelle. Quelle est ton autre nouvelle? Tu te souviens de l'élixir qui empêche la poupée vaudou de me contrôler? Tu t'en souviens? Celui qui dure une heure et qui déconnecte la poupée vaudou de son propriétaire? Cet élixir-là... Donne-le-moi vite! C'est terminé! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant alors? Qu'est-ce qu'on fait de ma poupée vaudou maintenant? Qu'est-ce que tu proposes? Elle est assommée maintenant, bien sûr. Mais si on la découpe comme ça, juste maintenant... Tu le sentiras. C'est pourquoi je dois en faire un autre de toute urgence. Quelques secondes. Il me reste quelques ingrédients du dernier élixir. Je vais le faire maintenant. C'est ça. Attends ici. Voilà, je suis prête. Et je peux venir avec toi? Je veux te regarder faire ces trucs, ouais. Tu vois, je suis habillée exprès pour ne pas être infectée du tout. Bah, je peux venir avec toi ou pas? Je peux pas, va-t'en. Bon, faisons-le vite, sinon elle va commencer, là, et ça va être la fin des haricots. Oh, regarde, il y a des produits chimiques qui se déversent. Il y a des étincelles, oh là là. J'aimerais bien apprendre la chimie comme Alina, mais elle ne me laisse jamais la regarder. J'aimerais bien apprendre ce genre de truc, ouais. Alina, qu'est-ce que tu as là en fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Alina? Montre-moi. Mais c'est presque prêt ça. Allez, viens vers ici. Ouais, Bruno, alors, tout est prêt. C'est fait? Oui. Je peux donc l'essayer maintenant? Non.
sortez de la chimie, ce n'est pas pour toi, c'est pour la poupée. D'accord, injectons l'élixir dans la poupée directement, quoi. Pendant 5 secondes, nous pouvons l'essayer. Est-ce que ça marche? Bah, comment allons-nous vérifier? C'est simple! Aïe! Ah non, en fait, j'ai juste eu peur, quoi! Il est vraiment, vraiment éteint, quoi! Ça y est, attention, c'est ma poupée Wudou quand même! Bon, les gars, grâce à Alina, on peut maintenant procéder à l'opération et voir ce qu'il y a dedans dans ma poupée Wudou! Très bien, commençons l'opération. Attends, il faut d'abord chronométrer l'heure entière, c'est-à-dire 60 minutes, sinon le médicament va s'épuiser et tout ce que nous avons fait avec la poupée Voodoo fonctionnera à nouveau sur toi. Tu veux dire que le sérum désactivant la poupée Voodoo ne fonctionne que pendant une heure ou quoi? Oui, alors viens. Oh, le chrono est en marche, c'est ça. Pendant ce temps, les gars, il est très important d'extraire l'ADN de cette poupée Wudou que quelqu'un a mis un jour dans cette poupée Wudou. Et je crois non, que c'était Alina. Non, vraiment pas moi. Et qui m'a fait une farce avec cette poupée Wudou? Et Dima aussi, c'est peut-être lui. Ah bon, peut-être c'était Dima. Bon, de toute façon, il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette poupée Wudou. Je suis en train de faire une petite coupure. Oh, bien aide ici, allez. Voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Maintenant, aide-moi. Fixe mon chemisier et pince. D'accord. Un. Le deuxième. Ça y est, Alina, j'ai réparé la veste. Tu vois ce qu'il y a dedans? Il y a quelque chose de gros là-dedans, j'arrive pas. Ça doit être mon ADN, parce qu'il est quand même puissant, lui. Les gars, c'est un couteau. Écoute, Bruno, c'est bizarre. Pourquoi elle est là, ce couteau effrayant, le derrière d'une poupée Wudou? Écoute, Alina, d'abord, c'est mon couteau, pas celui d'une poupée Wudou, et il n'a pas servi à commettre des crimes. J'allais juste cueillir des champignons avec. C'est mon couteau pour couper les champignons. Ouais, j'avais l'habitude de cueillir des champignons si savoureux. Et puis je l'ai perdu, j'ai cru, mais en fait, il a été volé par ma poupée Wudou. Ça ne change rien, en fait, qu'il aurait pu l'utiliser à des fins maléfiques. En fait, le seul mal qu'il pouvait faire avec ce couteau, c'était de couper les champignons de quelqu'un d'autre dans le potager des voisins. Voilà ce dont cette marionnette est capable, maximum. Tu crois que tes champignons poussent dans ton potager? Eh bien oui, les siens, je ne sais pas. Continuons à chercher. Bon, j'ai besoin d'un outil. Voyons si je peux trouver cet ADN. Bon sang, il est toujours là, dans les profondeurs. Oh, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Alina? C'est la clé. C'est vraiment une sorte de clé. C'est tout petit. Regarde, la porte n'existe pas. Pourquoi en avons-nous besoin? Ouais, tu sais, je crois que la porte de ta chambre fait à peu près cette taille, ouais. Pas besoin, jette-la. Écoute, je pense toujours que c'est la clé, genre, d'un coffre de trésor. C'est quoi ce trésor? Comme celui-là, hein? D'accord, un si petit trésor ne servira jamais à rien de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Vas-y, moi. Regarde, je trouve quelque chose d'énorme là-dedans. Sors-le, allez. C'est peut-être de l'ADN, Alina, allez, sors-le. Oh, c'est quoi? Une sorte de peau, c'est poilu. Les gars, c'est un bidon brun poilu. Donne-moi une cuillère. Pourquoi t'as besoin d'une cuillère? Comment ça, pourquoi faire? Pour goûter ce qu'il y a en moi. Benoît, tu l'as même pas senti. Alina. Ouais. Je crois que c'est du Nutella. Essaye. Ça sent le Nutella. Les gars, apparemment, cette poupée Wudou est tellement gourmande qu'elle mange des pots entiers de Nutella. Écoute, c'est délicieux. Le plus important, c'est de ne pas penser qu'elle est à l'intérieur de toi. Si, bon, de toute façon, elle est à nouveau en moi maintenant. C'est un vrai cercle. Bon, regarde, le temps est de plus en plus court. Il faut bien qu'on arrive à ce qu'on veut après tout, ouais. Tu crois qu'il y aura autre chose d'aussi brillant qu'un couteau? Écoute, il y a certainement de l'ADN là-dedans et nous devons le prendre pour de vrai. C'est très important. Oh, hop là! Alina, regarde, c'est une sorte de dossier sur lequel il y a écrit secret. Qu'est-ce que c'est, ça? Écoute, on dirait un chewing-gum. Oh, c'est une clé USB! C'est une clé USB ou quoi? Probablement avec les secrets de cette poupée Wudou. Ordinateur, portable, urgent!
il est toujours avec moi. Je me dis, bon, je suis un homme d'affaires, donc mon MacBook est toujours avec moi. Mais là, c'est vraiment pratique parce qu'on va découvrir... Attends. Et si mes secrets se trouvaient là-dedans? Je ne veux pas que quelqu'un me connaisse mes secrets, non. Eh ben, si tes secrets sont là-dedans, alors j'ai d'autant plus envie de les savoir. Écoute, c'est dangereux. Mais c'est pas dangereux du tout, c'est intéressant. Imagine juste les secrets que cette poupée Odo peut garder. Voilà, le dossier secret. Mais je ne fais pas de dossier comme ça, d'habitude c'est... Ne regarde pas. Et il y a une vidéo ici, ok, on l'allume. J'espère vraiment qu'on va pas mettre cette vidéo sur internet, mais au cas où je disparaîtrais, j'espère qu'elle va être mise sur internet parce que je disparais. Je veux que tout le monde la voie. Si je disparais, je veux que tout le monde sache quel genre de personne j'étais vraiment. Je suis sur le point de révéler tous les secrets que j'ai cachés à tous mes abonnés et à tous mes autres amis. Si je disparais vraiment, et ça peut vraiment arriver, appelez-moi sur mon numéro de téléphone et je vous dirai comment me retrouver. Ouais, mon numéro de téléphone, c'est 79... Ah, c'est tout. Attends. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, mince, William Bruno. De toute façon, tu vas faire caca. Bon, d'accord. De toute façon, je ne veux pas que cette information soit mise sur Internet. Ça n'était pas pour Internet. C'était pour une personne en particulier. William Bruno, montre-moi cette vidéo et nos abonnés. Parce que bon, on sait déjà que cette vidéo existe, vraiment. C'est une vidéo de mon journal intime que personne ne devrait voir. Eh bien, je ne veux pas la publier, tu sais. Et je ne veux pas la montrer à personne, quoi. Je sais comment faire pour qu'ils ne le disent pas, non. C'est très simple. Les gars, si vous voulez vraiment comme moi voir cette vidéo secrète, mettez 100 000 likes sous cette vidéo. Et alors William Bruno sera obligé de nous montrer cette vidéo. Quand j'aurai cette clé USB, je la prendrai et je vais regarder cette vidéo avec vous. Mais il suffit d'obtenir 100 000 likes, alors on le fait et pas de mais. Mais les gars, bon voilà, il nous reste 15 minutes. Allez, continuons à fouiller. Qu'est-ce qu'il y a, William? Regarde, il y a beaucoup de barbe à papa magique. Essaye, c'est sucré ou pas? Pour une raison que j'ignore, je t'écoute toujours. Je n'essaierai plus jamais rien de ce que tu me donnes. Oh, Alina, regarde, ce sont des fleurs? Ce sont pas du tout les fleurs. C'est juste une sorte de sac avec des bulles dedans. Les fleurs sont différentes. Est-ce qu'il essaye de nous piéger ou quelque chose comme ça? Il pense qu'on est stupide ou quoi? Attends un peu, ce sont vraiment des fleurs. Ce sont juste des graines de fleurs. Ce sont des enfants fleurs que l'on plante quelque part et qui deviennent de grandes et de belles fleurs. Mais Alina, les bébés des chats, ils ressemblent à des chats. Mais ça ne ressemble pas du tout à des fleurs. Cool. Écoute, est-ce que tu veux goûter ces graines, quoi, non, Alina? Non. Plantons-les. Pourquoi? Plantons-les, faisons-les pousser. Il y aura des fleurs pour toi, regarde. On va les planter comme dans la ferme? Oui. Qu'est-ce que tu veux, celle-là comme la terre pour toi ou quoi? Tu vas transformer ces fleurs en moi? Il n'y a aucune chance qu'elles poussent là-dedans. Elles ont besoin d'eau, t'entends? Oh, tu l'as trouvé où toi? Mieux vaut ne pas demander. Et tu penses qu'il devrait grandir maintenant ou quoi? Pas tout de suite, mais je pense... Wow. Les gars, c'est vraiment comme ça que ça marche. Si vous plantez des haricots colorés, ils deviennent tellement beaux. C'est tellement beau. Wow. Ce que t'as arraché, ils ne sont pas complètement développés. Tiens, c'est pour toi. Merci, c'est un plaisir bien sûr, mais pourquoi? Ben c'est juste que j'aime bien... Bon... Faire des cadeaux, c'est tout. Et c'est quoi ces genres de fleurs? Ça s'appelle comment? Écoute, je sais pas, mais je pense que les autres le savent. Regardez bien, peut-être que tu connais ce genre de fleurs et que tu peux le découvrir et l'écrire dans les commentaires. C'est... Ce sont des marguerites! Ça ne ressemble pas vraiment à des marguerites. Ok, écoute, de toute façon, bon, on est pressé, quoi, le temps il sert. Bon, passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? On a des choses sérieuses à faire. Alina, tiens, tu t'en occupes maintenant. Peut-être que tu peux trouver cet ADN. Regarde, il y a une sorte de serrure. Quel genre de cadenas? Je sais pas, William Bruno, c'est serré.
je crois que je suis en train de donner naissance à une sorte de boîte. Mais peut-être ton ADN là-dedans. C'est possible. Il est tout à fait possible que l'ADN de cette poupée voodoo soit caché dans cette sorte de boîte secrète qui n'est pas facile à ouvrir. Non mais t'es si malin, ça se passe comment? Son ADN est dans une boîte secrète comme celle-ci. Je viens de l'avoir, moi. Et moi, tu sais, je suis allé à l'école contrairement à d'autres. Écoute, il nous faudrait en fait cette clé que nous avons jetée. Celle que t'as jetée, tu n'as pas besoin de me regarder. Ah bon, d'accord, mais où est-elle quoi? Cherche la clé! Regarde, elle est introuvable! Oh, Alina! Alina! Je la vois, je la vois! Ce n'est pas la clé que tu cherches, hein? Donne-nous cette clé! Ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut! Je peux avoir la clé, s'il te plaît? Bah non, je te donnerai pas la clé, mais nous pourrons tourner avec toi, tu sais? Wow! Oh! Oh! Te contrôler encore. Mais il ne le sait pas, n'est-ce pas? Waouh! Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu aimes te tourner? Recommence, ouais! Arrête, poupée, arrête de me contrôler. Tu es si fort, écoute. Peut-être que tu ne devrais pas être aussi dur avec moi. J'ai la tête qui tourne, moi. Ah! Ah! Les gars, c'est une bonne chose que la poupée voodoo ne sache pas qu'on l'a enjeté en antidote. Oh, oh, Bruno, je l'ai. Attachons-la tout de suite, Bruno. Bravo, Alina. Attends, il faut juste plus de clous cette fois, ouais. Dépêche-toi. Écoute, Alina, il ne sortira pas maintenant, c'est sûr. Regarde comment l'attacher. Déjà. Allez, ouvre cette serrure, quoi. Maintenant, nous allons extraire l'ADN de cette boîte et c'est tout. Allez, allez, c'est parti, voilà. Ah, c'est mon ADN, regarde. Alina? Quoi? C'est quoi ton ADN? C'est vide! Il y a une fausse boîte ici. Peut-être que tu n'as pas d'ADN. Il ne me reste plus que 5 minutes. D'accord, regarde Alina, ouvrons-lui à nouveau son ventre, allez. Écoute, si on n'arrive pas à temps, faut que tu sois recousu à temps au moins. D'accord, mais on peut peut-être y arriver. Allez, Bruno, on n'a pas de temps, il faut qu'on trouve ton ADN tout de suite, là. Alina, regarde ce que j'ai trouvé. C'est bien ce que nous cherchions, ouais. Regarde, l'ADN rouge, bleu et argent. Vas-y, sors-le. C'est comme si ta poupée était... beaucoup plus courte, ça. Ça fait beaucoup d'ADN, ça. Quelle est la longueur? Oh, ouais. Bruno. J'essaye, Alina. Il y en a peut-être plus maintenant. Oh, peut-être beaucoup plus. Pour l'amour du ciel, là. Hein? C'est déchiré. Attends, Alina. Ah, on va essayer. Regarde, elle rentre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors? Je ne sais pas. Tu espérais battre une poupée voodoo, quoi? Vous arrivez trop tard, les gars. L'ADN que tu cherchais s'est dissous en moi pour toujours. Et hop. Voilà le nouvel ADN. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a arraché en cheveux. Voilà la partie la plus amusante. Regardez ce que j'ai. Hop là. Alina, regarde. C'est ta poupée voodoo. Arrêtez. Et maintenant, les gars, je vais l'activer. Faut l'arrêter d'une façon ou d'une autre. C'est un peu tard pour ça. Mais non. On dirait que ça devrait marcher maintenant. C'est moi. Alina, tu es revenu à la vie. C'est super. Écoute, est-ce qu'on va attraper ces gens? Bien sûr qu'on va le faire. Oh non. C'est comme ça qu'on les a eus. Comment? De façon méchante. C'est ça. Maintenant, vous ne pouvez plus nous arrêter. C'est fini. Jusqu'à d'autres mauvaises rencontres.